WordPress, transformation d'un blog en site web. Si je regarde le site que nous avons fait, pour l'instant, c'est plus un blog qu'autre chose, puisque sur la page d'accueil, nous avons l'ensemble des derniers articles publiés. Pour basculer d'un blog à un site web, en fait, c'est très simple, il y a juste une manipulation à faire. Et nous placerons ici une page d'accueil. Et cet espace blog, je veux quand même le garder dans mon site, un espace blog, je le rebasculerai dans la section blog. Pour faire cela, on bascule en back-office. Sur le back-office, donc je vais bien dans la section réglages et lecture. Réglages-lecture. Dans réglages-lecture, on nous indique qu'est-ce que doit afficher la page d'accueil. Par défaut, elle affiche les derniers articles. C'est pour ça que nous sommes en présence d'un blog. Je vais basculer sur une page statique. Et la page statique, je vais la sélectionner. Ça sera le t-shirt éco-responsable. La fameuse page que je n'ai pas mise dans le menu dans la vidéo précédente. J'ai également une page des articles, c'est ma fameuse section blog. Donc je vais sur blog. Ensuite, il m'indique les pages du site doivent afficher au plus 10 articles, c'est très bien. Et bon, il y a quelques petits éléments qui sont personnalisables, hein, je vous laisserai lire. Mais en tout cas, là, on a fait le plus important. Je vais enregistrer les modifications. Et je vais retourner sur ma page d'accueil de mon site et je vais l'actualiser. Nous avons donc perdu sur la page d'accueil l'ensemble des articles qui étaient présents. Nous avons juste le titre qui est resté, que l'on personnalisera par la suite. Et puis, on a une section blog avec un menu et un sous-menu culture people. Et si je clique sur blog, eh bien, sur la page blog, je retrouve en fait la liste de mes 4 articles. Et si je veux juste consulter les blogs, le blog section culture. Je vais cliquer sur ce bouton et j'ai les 2 articles de la section culture. Et si je préfère people, j'ai les 2 articles de la section people. Si je souhaite revenir sur ma page d'accueil, eh bien, soit je rajoute un menu accueil ici, soit je reviens sur ma page d'accueil en cliquant sur Tivox Store, ce qui va me ramener automatiquement sur la page d'accueil. Voilà, donc la transformation d'un blog en un site web, c'était 2 clics de souris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner.